Voulons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, et spécialement pour ce jour où nous pouvons venir te rendre gloire par nos relations avec toi, avec ta parole, par nos relations avec nos frères et sœurs, ainsi qu'avec tous ceux qui nous sont proches. Aide chacun de nous à être des témoins de ton amour. Sois maintenant avec notre frère Nelson et permets que ses paroles renouvellent en nous l'espérance de ton retour en gloire. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Chanterons le cantique 232 à tes pieds, au divin maître. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe. Beaucoup. Nous lirons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 9, nous lirons les versets 51 à 56. Luc 9, 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux
et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous écouterons maintenant la prédication qui sera présentée par Nelson. C'est un privilège de partager la parole de Dieu. Ça me fait du bien et j'espère aussi que ça vous fait du bien. Merci pour Dieu de nous avoir donné ce beau jour et qui va nous permettre de contempler sa gloire. Comme on vient de le lire, j'ai choisi de discuter avec vous, de parler de ce texte que vous voyez ici et de parler de ces antonymes. Ces mots que vous voyez, l'amour, la haine et l'amour. Ce sont des mots qu'on voit tous les jours, qu'on entend tous les jours. La haine et l'amour, et j'ai intitulé cela de la haine à l'amour. Le texte, comme vous le voyez, est écrit par Luc, l'évangéliste Luc. Il faut savoir que c'est Luc est considéré comme quelqu'un qui n'était pas juif. Il est d'origine syrienne. Donc il est parmi les gens qui suivaient Jésus et qui n'étaient pas juifs. On pense qu'il était médecin. Et donc, comme on le dit dans beaucoup de sources, en tout cas, son style et la structure du texte montrent quelqu'un qui a fait des études assez poussées. D'autre part, on dit que cet évangile se focalise surtout sur la miséricorde. Sur la miséricorde, avec de nombreux passages où Jésus parle du pardon, où Jésus pardonne aux pécheurs, mais les pécheurs qui se repentent. Voilà un peu l'auteur, Luc, un médecin, et vous allez convenir avec moi que les médecins ont une particularité d'être attentifs à la santé. Et donc quand Luc écrit, il écrit quelque chose qui peut amener la lame ou le corps à se sentir bien, à se développer, si je puis m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lisez? J'espère que vous lisez, enfin, ceux qui le peuvent lire beaucoup de textes, beaucoup d'articles. Dernièrement, je voyais une interview d'une jeune fille ukrainienne qui s'est passée sur la TV, France TV,
dans l'émission qu'on appelle Télématin. Le journaliste demandait à cette jeune fille beaucoup de questions. Et parmi ces questions, le journaliste a demandé « Qu'est-ce qui peut soulager ta colère ?» Et la jeune fille l'a regardé dans les yeux, elle a dit « Monsieur, je n'ai pas de colère, j'ai la haine. » C'est très fort. Je n'ai pas de colère, j'ai la haine. Alors il dit, le pardon entre Russes et Ukrainiens va prendre des siècles et des siècles. Très fort. Alors ça m'a interpellé et je dis, c'est vraiment un sujet très difficile à aborder, je conviens, et très sensible, on va dire. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à discuter de tous les sujets et voir ce que nous pouvons, comment nous pouvons nous comporter en tant que chrétiens. Mais il y a aussi, dans les journaux, c'est en tout cas ces dernières semaines, parce que le 7 avril, l'Organisation de l'ONU a proposé, a décrété cette date pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Vous avez l'image de cette sauterelle qui est érigée non pas loin d'ici, à Vandermeesch, à Oloué-Saint-Pierre. Encore un événement qui rappelle qu'il y a eu la haine. Contre les Tutsis au Rwanda. Heureusement, il y a beaucoup d'autres articles qui parlent de l'amour. Il y a des témoignages des gens qui accueillent des gens, des gens qui donnent témoignage de comment ils ont été aidés, des personnes à qui les autres personnes ont facilité leur vie, soit en leur donnant à manger, soit en leur sauvant des atrocités. Il y a toutes sortes d'articles concernant l'amour. Ces deux mots viennent souvent dans la vie de tous les jours, soit dans les journaux ou dans la vie dans notre vie habituelle, si j'ose dire. Je ne sais pas si, comme moi, quand vous lisez un article dans les journaux, vous lisez aussi les commentaires des gens. Ça vous arrive aussi? Moi, ça m'arrive. Il m'arrive de haïr et d'aimer tel ou tel commentaire. Celui-là, il a mal dit. Pourquoi est-ce que ce monsieur, cette femme peut se permettre de dire cette chose, d'insulter quelqu'un? Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les commentaires, c'est
presque à 95% des gens qui ne mettent pas leur nom, enfin leur vrai nom. Vous voyez, c'est déjà inconnu. Alors, je me mets à aimer quelqu'un que je ne connais pas, ou bien à haïr quelqu'un que je ne connais pas. C'est vous dire combien ces deux mots peuvent avoir une influence positive ou négative dans nos vies. Mais je vous propose de voir la signification de ces mots dans la Bible. Dans la Bible, la haine vient du mot, effectivement, du verbe haïr. Et dans l'Ancien Testament, le mot vient de l'hébreu sané. Et sané signifie aimer moins. Je vous propose de vraiment écouter ou bien de penser à ces mots, puisque ça fait la différence. Chaque mot peut faire une différence. Et voyons si nous retrouvons peut-être dans ces mots. Donc, dans le Nouveau Testament, l'hébreu, ça ne signifie aimer moins. Prendre en aversion. Ça veut dire avoir une antipathie violente, de répulsion, de réclusion. Ça veut dire aussi ne plus supporter quelqu'un. Ne plus supporter quelqu'un. Lui préférait quelqu'un d'autre. Ah, je préfère quelqu'un d'autre que celui-là. Dans certains versets, comme dans Genèse chapitre 34, verset 7, haïr signifie détester, mépriser, rejeter. Voyez. Et dans le Nouveau Testament, la haine vient du mot grec miséo, qui signifie aussi, comme dans l'Ancien Testament, un peu aimer moins, préférer quelqu'un d'autre, etc. Et peut-être que je vais vous proposer de lire dans Luc chapitre 14, verset 26. Pour voir une autre signification, Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, il n'aurait pas son père. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aurait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est une autre façon d'aimer, mais d'haïr, pardon. Mais pour prendre position à Jésus. Et dans Luc 6, versets 2 et 27, on voit les synonymes du mot haïr, mépriser ou rejeter. J'ai amené ces différents mots, différents synonymes de haïr.
pour comprendre un peu ce que la Bible dit de ce mot. Alors, le verbe aimer veut dire quoi dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, le mot aimer, le verbe aimer, vient de l'hébreu à arabe. Ce qui signifie éprouver un désir violent et volontaire. Cela à l'égard, se dit à l'égard, par exemple, d'une chose, d'un cadeau. On est vraiment, comment dirais-je, très content, on aime le cadeau. On peut aussi aimer la justice. Et comme le dit le proverbe, chapitre 1, verset 22, on peut aimer aussi la sottise. Hein? Commettre des choses drôles. Il y a aussi des verbes qui sont voisins dans le Nouveau Testament. Des verbes qui sont voisins du mot aimer. S'attacher. Hein? Quelqu'un qui aime s'attache. Connaître. Vous allez voir dans le Nouveau Testament. Le verbe connaître, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le verbe connaître, ici c'est le Nouveau Testament, par exemple, Joseph connut Marie, par exemple, pour dire qu'on s'est aimé, qu'ils se sont aimés, ils ont produit une vie, pour ne pas prononcer le terme. Donc, le verbe aimer signifie aussi choisir le bien dans le Nouveau Testament. Au Nouveau Testament aussi, le mot grec agapeo revient très, très souvent et signifie être attaché. Tenir bon, accueillir quelqu'un avec affection, s'engager, créer un lien durable. J'espère que peut-être on a une idée de ce que la Bible dit de ces deux mots. Je vous propose maintenant de voir le texte qu'on nous a lu. Dans Luc 9, verset 51. Nous y voyons Jésus. Nous y voyons Jacques et Jean. Nous y voyons aussi les Samaritains. Il y a trois différents caractères et trois différentes déterminations à remarquer ici. Que nous dit le verset 51? Verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Ce verset nous renseigne sur une chose qui est sûre. Jésus sait qu'il vit les derniers jours de sa mission.
Et si vous voyez la le chapitre 9, il y a beaucoup d'histoires qui montrent les activités de Jésus. Et qui, très vraisemblablement, préparait ses disciples à quelque chose qui allait se passer, c'est-à-dire sa mort sur la croix. On comprend donc la pensée de l'évangéliste cherche à exprimer par ces termes. Et quels termes, lorsqu'approchait le jour où il devrait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. La ferme résolution. Pourquoi est-ce que Jésus va vraiment faire cette détermination? Il faut être courageux, il faut être héroïque pour confronter la mort. Il savait qu'il y avait des gens qui allaient leur faire du mal. Il savait que sa mission n'avait pas été prise en entier, n'avait pas été acceptée. Il y en a qui avaient accepté, il y avait d'autres qui n'avaient pas accepté cela. Mais il devrait finir sa mission. Il devrait aller mourir comme c'était sa mission. Et ce qui est très étonnant ici, et que nous devrons, à laquelle nous devons réfléchir, c'est que il veut montrer sa détermination à la parole que Dieu lui avait donnée, celui de sauver l'humanité. Il tient à cela, et c'est pour cela qu'il est déterminé à aller à Jérusalem, même s'il savait qu'il allait rencontrer du danger. Au verset 52, nous voyons qu'il envoya de voir lui ce message des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire les préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. C'était de coutume que quelqu'un qui est important socialement, avant d'aller quelque part, qu'il envoie ses gens et ses serviteurs, ses employés, si l'on peut dire, pour préparer le chemin. Ici, beaucoup de gens disent que ces gens, ces disciples étaient demander d'aller trouver où ils vont loger, d'aller trouver où ils vont, comment, qu'est-ce qu'ils vont manger. Donc Jésus avait prévu de passer par la Samarie pour qu'ils puissent prêcher, encore accomplir sa mission là-bas.
Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible le dit, les Samaritains ne l'ont pas, n'ont pas accepté et n'ont pas reçu les disciples. C'est Jacques et Jean qui sont allés là-bas. Et vous voyez que, vous voyez au verset 53, « Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. » Il semble que c'est pas le Jérusalem qui était la question, mais les personnes mêmes. Parce qu'il y avait une haine terrible entre les Juifs et les Samaritains. L'histoire nous dit que les Samaritains étaient des peuples mixtes, qui étaient mélangés. C'était des Juifs qui étaient mélangés à d'autres communauté, et donc les Juifs le considéraient comme pas suffisamment juif. Mais donc il y avait aussi cette frustration de la part des Samaritains qui ne se croyaient pas aussi juifs. De sorte qu'ils avaient deux endroits de prière. Ils ne priaient pas dans une même église. C'est une ségrégation purement et simple. Et donc, quand les disciples de Jésus viennent pour préparer le chemin de Jésus, ils ont été refusés parce qu'ils étaient juifs. Et celui qui devrait venir aussi, Jésus, était juif. Ils ont tout compris. Dans une tradition grecque, quelque part, on dit que c'est parce que son visage allait à Jérusalem. Et ça, c'est très fort. Seulement le visage des Juifs donnait de la haine. Ils ne pouvaient pas passer. La haine était tellement forte que certains pharisiens priaient que les Samaritains ne ressusciteront pas. Un autre mot très fort, parce que les pharisiens, on sait que parmi les doctrines qu'ils avaient, il y avait la résurrection. Ils croient qu'il y aura la résurrection. Mais ils disaient que les Samaritains ne peuvent pas ressusciter parce qu'ils sont Samaritains. En Jean 8, 48, on voit que quand les Juifs voulaient insulter Jésus, il appelait Juif. Je vous propose de le lire, Jean 8, verset 48. Jean 8, verset 48. Les Juifs répondirent, « Nous n'avons pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as en toi un démon. » Vous voyez, pour un Juif, un samaritain, c'est quelqu'un qui a un démon. Une haine terrible. Il faut souligner ici que cette haine des Samaritains était, on dirait peut-être excusable parce qu'ils avaient subi beaucoup de choses qui peut-être leur donnaient raison de haïr les Juifs.
Mais de l'autre côté, vous avez les Juifs qui haïssaient aussi les Samaritains. Et donc, on ne peut pas dire que la haine des Samaritains, la haine des Juifs, on peut les comparer, c'est une haine tout pure et simple. Et que Jésus va condamner, nous allons le voir. Dans les versets 55 et 56, nous y voyons la détermination par Jacques et Jean de condamner, de juger. Je vous propose de le lire. Et 56. Lisons à partir du verset 54. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent : Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de le consumer ? Étrange. Si vous lisez les versets qui précèdent dans le chapitre 9, vous allez voir que Jacques et Jean ont participé à la transfiguration. Là où Jésus a reçu Moïse et Élie, là où il avait la splendeur. Donc c'est des gens spéciaux qui devraient connaître Jésus, vraiment. Mais voyez leur proposition. Parce que les Samaritains ont refusé de les recevoir, ils proposent que il demande à Jésus qu'on envoie le feu pour les consumer. Et ce se passe dans l'église que Dieu est en train de fonder. Peut-être que ça nous semble étrange. Mais nous sommes aussi chrétiens ici. Toute cette haine-là, toute ces critiques sur les réseaux sociaux, ou comme je l'ai dit dans les commentaires, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de photo. Est-ce que nous ne serions pas par hasard, nous ne faisons pas partie de ces gens qui sèment la haine sur les réseaux sociaux? Certains commentateurs pensent qu'ils voulaient montrer à Jésus leur zèle, leur amour pour lui. Une façon étrange de montrer qu'on aime quelqu'un en détruisant l'autre. Voilà ces disciples de Jésus qui sont déterminés non seulement à juger, mais à condamner. Alors qu'ils sont avec quelqu'un ils avaient marché avec Dieu, ils avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, mais il n'avait rien compris de sa mission.
J'espère que nous pouvons trouver ici l'objet de réflexion en tant que chrétien. Quand je pense que je ne suis pas différent de Jacques et de Jean, en tout cas, je ne suis pas différent de Jacques et de Jean. Leurs émotions, c'est mes émotions. Ils peuvent faire des fautes comme moi je l'ai fait. Comment gérer la haine? Et quelle est la réponse de Jésus dans ce récit? Au verset 55 qu'on a lu, on peut le lire aussi. Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. La Bible a noté, a traduit ce verset comme suit, ce verset comme suit. Vous ignorez quel esprit mauvais vous inspire une telle pensée, une telle question. Et Luther l'a traduit par une question. Ne savez-vous pas quel esprit vous êtes? L'esprit que vous avez dû puiser dans mes paroles et dans ma vie. L'esprit de l'évangile qui est celui de la miséricorde et de la grâce. Il est bien évident que Jésus, en leur reprochant une mauvaise pensée, voulait faire pénétrer dans leur cœur l'esprit de sa tendre charité. Voilà Jésus qui amène une différence. Il n'a pas accepté que les Samaritains puissent être brûlés. Il en avait le pouvoir. C'était facile pour lui parce qu'il est tout puissant. C'est peut-être pour cela que Jacques et Jean lui avaient demandé, c'est parce qu'ils savaient qu'il est capable de le faire. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il comprenait sa mission, c'est de sauver l'humanité, pas pour les détruire. Et ce message devrait nous interpeller aussi. Est-ce que nous savons dans quel esprit nous agissons? Est-ce que nous savons dans quel esprit nous commentons? Nous discutons avec d'autres? Est-ce que nous savons dans quel esprit nous haïssons les autres? Et nous sommes chrétiens. On peut apprendre donc de cette reprimande de Jésus, ce qui suit, ne pas être aveuglé par la haine. On entend souvent quelqu'un dire, moi je ne peux pas pardonner. Même dans les milieux chrétiens, je ne peux pas pardonner. Souvenons-nous que Jésus est venu pour sauver, pas pour détruire. Au nom de quel esprit devons-nous souhaiter à quelqu'un qu'il soit détruit, pas à jamais? Partageons l'amour de Jésus.
ne permets pas que la haine soit entre toi et Jésus. Parce que vous voyez, les disciples de Jésus sont allés faire le chemin pour Jésus, mais entre les Samaritains et Jésus, il avait cette haine. Permettons et demandons à Dieu de nous transformer. Il y a des gens qui ont essayé de nous donner conseil. Vous savez que je pense que Dieu a permis ces sciences d'exister pour que nous puissions être instruits. Les psychologues donnent des conseils pour sortir de la haine quand ils se manifestent. Premier conseil, accepter nos émotions, c'est-à-dire donner le droit de vivre de la colère, de la rancune, de la haine, de vouloir se venger. Accepter aussi d'en avoir voulu à un de nos parents au point de vouloir sa destruction, ce qui n'est pas le plus facile à faire. Le mot d'ordre ici, c'est d'accepter nos émotions. Accepter l'émotion, nos émotions. Nous sommes des humains, finalement. Jacques et Jean sont des humains. Deuxième conseil, dépasser ses peurs. C'est la peur qui engendre la haine de l'autre. Ah, il va me faire ceci, il va me faire cela. Je le hais parce qu'il peut me faire ceci et cela. Troisième conseil, avoir la compassion pour soi-même. Pardonner et se pardonner par l'amour pour soi-même. Pour cela, il est possible d'utiliser la méthode du miroir. Ces psychologues ont vu que quand on se voit dans un miroir, il y a moyen de se mettre en examen et d'avoir des pensées positives. Apprendre à s'aimer, à se construire, à se donner une autre image. Essayez par exemple, peut-être ça va nous aider à changer quelque chose. Quand on se voit dans le miroir, on a l'idée de ce qu'il y a dans nous. Il y a aussi un conseil de Mère Teresa qui a eu le prix Nobel de la paix à cause de son amour. Elle a dit, si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Ce qui est vrai. Si tu commences à juger celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, tu n'auras pas le temps de l'aimer, ça c'est sûr. Et finalement, pour clôturer, quelle fut la fin de Jacques et Jean? Eux qui avaient été appelés le fils de tonnerre, qui avaient demandé du feu pour les Samaritains, ils se sont repentis et nous pouvons les trouver dans beaucoup de versets dans le livre qu'ils ont écrit. Par exemple, en Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7.
Jacques dit, prenez donc patience, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Lui qui parlait du feu, il était venu l'artisan de la patience. Quant à Jean chapitre 4, verset 7, il a dit, bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ma prière que nous puissions apprendre de la détermination de Jésus de nous aimer, de nous sauver. Et que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes en aimant les autres, en étant les artisans de la paix, de la tolérance et de l'amour. Nous allons chanter pour terminer la chambre et je vous prie de faire attention à de penser au refrain. Et le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour, par des actes d'amour que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Chanter du cantique 369, nous chanterons les deux premières. Prions. Notre Père Céleste, toi qui peux nous transformer, toi qui sais chacun de nous, nous te prions de nous aider afin que nous puissions être des artisans de l'amour, être des artisans de la tolérance, être des gens qui aiment les autres,
car ton Fils Jésus-Christ est venu ici pour nous le montrer. Et nous nous appelons de son nom, nous sommes chrétiens. Fais que Seigneur, notre amour rayonne. Et que nous puissions partout donner ton image. Tu vas revenir bientôt. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à mieux clarifier notre comportement pour que nous puissions être prêts. Nous demandons toutes ces grâces en Jésus. Amen.